Re-YouTube, eh ben, oui, bon voilà, on continue. En fait, je sais pas ce que j'allais dire, mais sûrement une connerie, comme d'habitude. Mais voilà, c'est toujours Metroid Prime et on cherche des trucs dans les machins. Enfin sorti du four, Blacky, ça y est, le gâteau est cuit. En vrai, j'ai une 2080 RTX, ça me suffit amplement, pas besoin avant 3 ou 4, 4 ou 5 ans, ouais. Bah ouais. T'as mis le chat au four, hein. Le mec il confond tout. Le mec il confond tout. Oh non, mais casse-toi. Non, casse-toi. Casse-toi, pauvre con. Ah, il y a deux portes, il y a celle-là aussi. C'est quoi ici? La première cage de la ruche, j'ai un R. C'est quoi R? Il y a R. Ah, c'est une recharge! Ah non, c'est une station de recharge, merde. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est un nouveau NAS. Et un vidéoproj. J'hésite sur un laser, semble intéressant. Il me semblait que les tests que j'avais lus des lasers, pour l'instant, c'était pas ouf. Hein. J'ai pas budget monstrueux, peut-être attendre les soldes de fin d'année. Ouais, il me semblait que les trucs laser, pour l'instant, c'était pas dingue. Je peux me tromper, hein, évidemment. Non mais je m'en fous. Ah, je m'en fous. Vas-y, joue tout seul. Oh là là. Y a un truc chelou, là. Bon, déjà, on va buter les piou-piou, comme d'habitude, hein. C'est bien ça. Surtout pour le prix, un bon vieux Optama, ça fait le café. Elle veut pas un truc qui fait le café, elle veut pas une cafetière. Elle veut un vidéo proche. Qu'est-ce qu'il nous raconte le auto là? Et là, accès au réacteur de la ruche. Rigole, mais le temps que je me retourne 2 minutes pour prendre mon deuxième gant, elle allait mettre sa patte sur la vitre intérieure du four. Que la porte... Oh bah, ça lui aurait appris. Hein. Alors Jardin, le BenQ 1090, mais ils le font plus. J'hésitais sur le 2700. Mais je sais pas trop. Là, elle est en train de se faire les dents sur mon yaourt pas encore ouvert. Ah là là, les petits chatons. Allez, petit chacha, allez, petit chacha, allez, petit chaton. Hop là, et tout le monde est mort. Ah, mais c'était un trou, ça! Non, mais comment que je sais que c'est un trou? Ça, du coup, c'est un portail? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Quoi? En fait, c'est juste du décor. C'est chelou. Ok, donc là je suis bien. C'est quoi ça? Il fait partie d'un système de traitement d'énergie sombre. L'énergie de ces globes est transférée à d'autres parties de la ruche. Ah, éclate tout! Éclate tout, Samus, non? Intérieur, peur. Hein? Ouvert. Ah quoi? Bon, ah oui, heureusement qu'elle a précisé ouverte. D'accord, ça j'ai compris. J'ai trouvé un lit magnifique pour ma future chambre, mais il coûte 7K. Hein? Combien? Quoi? Mais il est en plaqué or le machin ou bien? Oh les salauds! Que je les ai scannés eux. Et bah j'aurais pas l'occasion de le faire. C'est quoi qu'est-ce?
Entrée de la ruche. Bon, j'y vais. Comment j'y vais? Là il y a des trucs. Là il y a des machins. Là il y a rien. Ça fait des boui-boui mais il se passe rien. Alors. Bon, j'ai l'impression que je peux pas y aller encore en fait. Voilà, il y a un truc que j'ai pas compris. Les bons matelas, c'est super cher en vrai, genre 600 balles. Bah ouais, mais entre 600 et 7000, tu vois, il y a une différence. Tout dépend de la fermeté qu'il te faut. Moi j'ai besoin de dalles de béton, du coup, même 600 balles, c'est pas assez. Pourquoi t'achètes pas des parpaings? Pourquoi t'achètes pas des beaux parpaings et que tu te fais pas un matelas avec des parpaings? Comment on y va? Ah. Non, c'est juste du décor de merde en fait, ça. Ouais. Ouais, bon ça c'est juste du décor, je sais pas si je peux, non je crois que je peux pas y aller encore. Super, donc j'ai fait tout ce chemin là pour Cud. Et donc il faut que je remonte. Non, il faut que je remonte. Et que je prenne le porto quoi. C'est quoi ça? Je vais essayer d'y aller, non? Ouais, c'est vraiment juste pour la frime en fait, le truc dans le milieu là. C'est chelou. Bon, il y a l'autre qui va m'emmerder évidemment. C'était assez évident. Ah, c'est quoi ça? Je peux les péter? Non. Je peux les scanner par contre. Système de maintenance du réacteur EV1 fonctionne à peine. Les niveaux élevés de radiation et exposition de l'atmosphère locale ont servi vraiment détériorer le fonctionnement. Ah, inévitable. Est-ce qu'il faut que je les arrête ou pas? Non, mais on s'en fout. Non, mais ta gueule. Ta gueule. Bonjour, ta gueule. Non, mais c'est pas ça que je voulais faire. C'est où? C'est par là. Ah, me revoilà. Me revoilà au fameux truc. Ah merde! Oh. Oh. Non. Attendez, est-ce qu'il y a les autres qui vont m'emmerder encore? Où j'aille où? Ah, portail. Portail to the right. Allô? Mais est-ce que je peux pas... Non, là, il y a un truc derrière la porte là-bas. Je vais regarder. Je vais aller voir. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pourquoi je suis pas allé plus loin? C'est quoi cette merde là? Bon, ça n'a même pas l'énergie claire de ça du coup.
Qu'est-ce que c'est? Merci. Quoi, il y en a un autre? Merci. Et là, il y a une porte. Qui est pas ouverte. Non, ça sert à rien. Ok. Bon, j'ai chopé le portail et puis c'est parfait. Hop là. Oh, vous avez vu ce magnifique... saut. Et du coup, si vous disiez... Pourquoi j'y ai pas pensé? Bah oui, voilà. Écoute, je te vends les parpaings 100 € et on n'en parle plus. C'est cadeau. J'avais des matelas de marque, je suis passé au matelas IKEA, bah je préfère l'IKEA. Ah ouais? Alors que la petite chatoune se brûle, c'est encore un bébé. Un bébou. C'est encore un bébou. J'ai foutu 300 balles dans un matelas soldé à 50% en ferme, bah c'était de la merde. Maintenant je dors sur un matelas de récup, une place qui a plus de 20 ans. Et pardon pour le rototo. Ah, tu pèses combien si c'est pas un... Ouais, je sais, c'est indiscret. Le papier du vieillard te l'occupe pendant que je mange enfin en paix. Eh ben écoute, faut toujours que tu gardes un petit papier de... yaourt, pas loin, quoi, t'emmerdes. À l'époque du matelas ferme, j'étais à 52 kilos. Là, j'en fais 13 de plus. Oh là là, il pèse rien. Le mec, il pèse rien, quoi. Je dors sur un vieux matelas en ce moment, alors que j'ai un leaking size et deux canapés, mais... Pourquoi tu fais ça, Nomer IT, en ce moment? Je comprends mieux, 100 kilos ici. Les ressorts, je les ruine à vitesse grand V. Ah oui, grand gabarit. Ah bah, auto, c'est... Tout, c'est un beau bébé, hein. J'ai un avoir de 300 balles à Darty. Il va falloir que j'aille voir les matelas ressorts. Il paraît que c'est bien. Il y a Johanna qui veut te piquer ton avoir. Ressort, ce qui tient le mieux dans le temps. En étant confortable. Les textes peuvent être plus fermes, mais ça fesse très rapidement. Ouais, c'est clair que moi j'ai toujours été mieux sur les ressorts. On est d'accord là-dessus. Sur les côtés du matelas. Ouais, dans le trou du milieu. Ah ouais, non, il est mort. Il est mort de chez... Ouais, il est mort de chez mort, hein, ton truc. Hein. Ça concerne les optomas. Ce que j'ai lu, les BenQ restent au-dessus, non? Alors ça, je ne saurais pas dire. Peut-être que Otto pourra te dire. Fait chaud dans mes parties, on fait plus frais. Oh là là. Personnellement, j'ai jamais vu la différence, hormis le prix. Ah. Plus les ampoules Optoma sont pas chères. Non mais Number 80, il a 12 chambres. Hein. Environ. Bon, et du coup, je vais en face là. Où j'ai jamais été là-bas. Il y a un truc où j'ai jamais été. On va y aller. On déconne plus. On retourne au gros réacteur sa mère. Allô? Merde, j'étais complètement dans l'autre sens. Ah voilà, forcément, ils me tirent dans le dos, les salauds. Est-ce que je vais faire une petite sauvegarde pendant que j'y suis? Ah merde! C'était en haut! Merde! Bon, je vais sauvegarder du coup. Allez hop, comme ça au moins. Par contre, j'ai pas encore vu les ultra AG. Donc je sais qui d'Optoma ou BenQ sort son épingle du jeu dans cette résolution. Je sais pas, d'accord, ok. Je sais, il m'a déjà dit que je dormirais
pas sur un coin de canapé comme j'avais demandé. Ah ouais, non, non, clairement, ouais. Ça fait une colocation, je paye rien, je te pique le débit de ta fille. Ah là là. T'aurais pas envie de vivre avec quelqu'un qui chante du Bioman au réveil. Oh là là, c'est dur. Dur. Tu peux pas la péter la fenêtre là? Truc d'entretien du réacteur. Je peux pas y aller? Est-ce que ce truc là c'est juste pour le lore là ou... Est-ce que c'est un vrai truc? Non, je pense que c'est juste du lore. Enfin, j'espère. Oh mais arrête! Arrête! Il m'emmerde. Voilà. Par là, hein. Yes. Mais non, mais parez-vous. Non mais c'est là où je suis allé tout à l'heure ça. Ah bah oui mais maintenant. Maintenant je peux. Bon alors faut les casser la gueule au machin en bas. Et 2-1 qui est pété. Merde. Mais non mais arrête. Et 2-2. Bon voilà, les deux sont pétés. On est ravis. Maintenant on va casser la gueule. Attendez, est-ce que je peux pas faire ça? Voilà. Ah bah ça va plus vite. Écoutez. Ah oui, on est mieux. Sounds like a deal. Ben, ah oui, Bernard Minot réveille, j'avoue. Je faisais karaoké tous les matins au boulot, fut un temps. Ce que je vois en dehors du contraste, le vrai souci des Optomas, c'est le bruit. Déjà que les BenQ sont pas spécialement super silencieux. Jamais été un souci pour moi, jamais laissé les ventilos d'origine, j'ai nettoyé le radiateur souvent. Si je me risquerais à changer les ventilos, ça fait sauter la garantie, probablement, j'imagine. Son avec le home cinéma, bruit ou pas bruit. Ah, splaum. Et 2-1 de Désactived. Ah. Donc c'est pour m'ouvrir un porto. Salut bande de tarés. C'est super l'après-midi. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Bioman et Dorothée. Moi je m'appelle Bernard Minet. Alors pendant la récré. Merde. Je peux les scanner avec ça.
Oh, allez, vas-y, ça me saoule. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, faut que j'aille où là? Ah, j'ai une porte, ok. Et de 1 de désactiver. Et de 2 de désactiver. Enfin, j'aurais tellement rien à foutre des ennemis, quoi. Et de 3 de désactiver, non? Ah non, il y en a un 4. Mais. Hop, hop. Mais si les BenQ sont plus silencieux, effectivement, je comprends mieux pourquoi ils peuvent justifier leur prix. Ouais. Le bruit des BenQ est souvent un point négatif, mais ils restent plus silencieux que les Optomas. C'est possible, mais le bruit que j'entends à la fin du film, c'est session de jeu, donc personnellement, je m'en fous. Ah! Oh, d'accord, ok. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Ok. Ça devient compliqué. Il devient compliqué le jeu. Hein. Mais c'est plein de... Ouais. C'est plein de petites séquences à la con comme ça, qui sont chiantes en fait. Qui servent pas à grand chose finalement. Et qui sont... chiantes. En fait, non, c'est ça, c'est le mot, c'est chiant. C'est ah bah regardez, faut passer dans le mode sombre et puis après... Quoi? Où j'aille où? Allô? Ah, je suis là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attendez. Super, j'ai plus de vie. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Coup de genius. Coucou de genius. Bon bah j'y retourne. Bonjour, j'ai trouvé un projet d'entreprise 30 kilos, aïe. En 360p. J'ai pas pris parce que pas d'HDMI, ouais voilà. Ouais voilà, ouais voilà, ouais, ouais, ouais. Comment qu'on va? Eh ben nous ça va plutôt pas mal. Pratique, ça a besoin de chauffage en hiver. Maison, je peux monter un peu le son pour couvrir le bruit du ventilo. Le futur appart, je vais juste me faire allumer par les voisins. T'as pas de fou à investir dans des casques, ouais, meilleure expérience est garantie de pas emmerder les voisins. Ouais. Il ne veut pas rager ce soir. Hein. Non, je suis calme. Je suis calme aujourd'hui. Je suis calme aujourd'hui, vous ne m'aurez pas. Je ne m'énerverai pas. Oh, bah non, je m'énerve. Oh, plus... D'où j'ai rage? Ah non, mais arrêtez. En fait, vous me faites rager de dire que je rage. Je commence à comprendre votre petit jeu, mais aujourd'hui... Aujourd'hui, je suis tout détendu. J'ai passé une excellente journée. Donc, nos rages, nos désespoirs...
Salut, ouais. Ouais, salut. Hop là. Donc là, j'ai compris. Je cherche même pas. Hop, et de 1. Et de 2. Et de 3. Voilà. Ensuite. Ouais, c'est ça, allez-y. Tabassez-moi, c'est ok. Allez hop. On a filmé dans les bras avec des casques, c'est pas vraiment le truc le plus game que j'ai en tête, ouais, c'est clair. Qui est ce streamer? Mais c'est moi! C'est moi! Imoen! Qu'il est bon de vous revoir. Quoi? Non, non, ouvre. Allô? Allô, allô? Monsieur l'ordinateur. Dites-moi. Hop là, merci. Donc là je fais ça. Là j'analyse. Viseur d'analyse. Analyse Z. Mais non mais j'ai pas arrêté Isaac. On veut Isaac et la rage back. Mais c'est même pas à cause de Isaac. Mais il m'énerve. Je vous dis que j'ai passé une bonne journée et donc que je rage pas parce que j'ai passé une bonne journée. Qu'est-ce que vous me faites chier à me parler de Isaac? Et puis j'ai pas arrêté Isaac, bordel de cul! Lol, on va y arriver. Comment ça, lol, on va y arriver? Est-ce que vous foutez de ma gueule? Bisous, voilà. Pas un slash ban all, voilà. Ce ne fut pas un slash ban all, voilà. Vous le savez. Ma patience a des limites. Qui veut être le prochain? Qui veut être le prochain? Dites-moi, hein. Si vous avez envie, vous me dites, hein. Ça se règle très rapidement. Hop là. Ah bah direct. Non? Faut que j'arrive à choper le truc en fait, c'est ça? C'est ça. Et c'est encore un truc bien à la zop ça, hein. Ça a l'air d'être bien merdique encore. Qui s'est dit tiens? Ça, ce serait une bonne idée de gameplay. Quoi? Allô? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Merde. Faut faire. Est-ce que je l'ai? Non. Et quoi? Ah oui d'accord, faut vraiment taper pile au moment quoi.
Et il y a plusieurs phases, parce que sinon, franchement, ça serait drôle, donc... Faudrait quand même pas qu'on s'amuse, hein. Oh non, j'ai loupé. Mais pourquoi ça va pas en face? C'est bon. C'est pas drôle, c'est pas drôle. On s'amuse pas le jeu. On s'amuse pas, on s'amuse pas. Petit ange, parti trop tôt. Bah oui. On a le droit de continuer par aller vidéoprojecteur. On se fait bah non non ça c'est très bien, ça c'est très bien. Allume une bougie pour Number 80. Fait couler la cire de la bougie sur ses. Oh pâte à tarte. C'est pas drôle, mais c'est pas drôle, c'était déjà pas drôle les deux premières phases. Est-ce que vous pensez vraiment que la troisième phase ça va être drôle? Non. Oh ça fait demi-tour. Oh le truc fait demi-tour maintenant quoi. Quoi? Ah non merde. Mais non. Putain mais c'est de la merde. Ah je suis coincé. Je suis coincé. Non. Je vais me faire toucher évidemment. Oh là, c'était dedans, c'était dedans. C'est dégueulasse. Oh là, mais... Bordel, hein. Mais non, mais... Mais arrête! Le jeu! C'est tellement pas drôle! C'est tellement pas drôle! Putain mais... Là, autant le combat contre Samus, c'était bien tout à l'heure. J'ai avoué. Le combat était sympa. Autant là, c'était de la merde. Voilà. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais c'était de la merde! Je suis dégoûté, j'avais trouvé un forum anglophone assez cool, avec des tests assez cool sur les vidéoprojecteurs et quoi, et je l'ai perdu. Putain, c'est de la merde! Enfin, la troisième phase qui était trop, quoi. Mais j'ai pas un truc à récupérer, là? Système de mouvement perfectionné? Je suis dedans, non? Ouais, j'y vais, quoi. Ouais, non, mais ok. Ok. En plus, ça me donne rien, là. Enfin, il y avait un boss. Il y avait un boss, et en plus, il me donne que dalle. Ok. Allô ? Barrière de sécurité automatisée. Ok. Oula, il a l'air vénère lui.
Ce fut bref mais de courte durée. Ça sert à quoi? À quoi ça servait de me faire faire des petits bons comme ça là? Filez-moi de la vie par pitié par contre. Non et vous? Ok. 3080 se trouve à 900 boules. Ça y est, ça diminue. On est où là? Ah on arrive de l'autre côté. Ah bah trop... ça par contre c'est très bien ça. Franchement ça c'est bien. Bon la porte grise on peut pas l'avoir. Par contre on va avoir une réserve d'énergie en plus. Ok. Les écrits. Ok, merci. Oh non! En plein moment, je saute. Hein. C'est pas là? Si! Oui. Oh! Alors ça c'est le truc qui fait plaisir. Allez on va débloquer un pont. Ah, on descend ça. Trop bien. Trop bien. Vraiment ça a autant baissé. Faut attendre encore un peu. Oui. Ma capacité de trouver des infos est la seule chose qui me sauve dans la vie et m'a permis de trouver un boulot sans diplôme ni formation. Qu'est-ce que je peux... attends. Bon, qu'est-ce que je fais pour finir ma journée, moi? Je sais pas, tu joues avec le chat. Le fait, il s'amuse tout seul. Pardon, petit rototo. Putain, faut que j'arrête de bouffer de la pizza. Hein. J'ai bouffé pizza. J'ai bouffé pizza hier soir. Faut que j'aille en mode clair là. Hier soir, ce midi et ce soir. Certains diraient too much. Les trucs de maintenance. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est quoi alors du coup? Ah, Number 80 est de retour. Look. Comme le Terminator, ouais bah fais gaffe parce qu'ils ont perdu à la fin les Terminators. Hein. J'avoue, voulais les glucides. Bah ouais, mais en même temps j'avais plus rien dans le frigo et j'avais acheté une grande pizza. Il fait pas l'amour, il est amour. Oh bah tu ferais pas mal de faire hein.
Ouais, je pense qu'il faut que je vienne en... ok. En mode... En mode dark... dark dark quoi. Ça y est. Oh. Oh, y'a Rabia. Y'a Rabia qui a dû se faire mal dans les escaliers. Elle est montée comme une furie. Et elle s'est un peu plantée. Je pense qu'elle s'est fait mal. Pizza du commerce donc. Pizza du café du commerce. Pizza de chez Pizza Burger à côté de chez moi quoi. Qui font des très bonnes pizzas et j'ai pris une méga. 40 cm je crois de diamètre. J'en ai mangé 3 parts. Il y a des pizzas du commerce qui sont très bonnes, faut arrêter avec le démon, des pizzas surgelées. De ce que je lis, la majorité des projecteurs 4K sont de la fausse 4K. Ah. Un petit R comme Rabia, tiens. Hop. Tac. R comme Rabia. J'ai même fait un câlin à Rabia pour la rassurer. C'est pas toi qui l'a fait. Ah si, si. Je peux pas lui faire de câlin, elle aime pas les câlins. 40 cm ventard. Qui est con. Je parle pas du goût, mais de la préparation déjà que la pizza niveau diète c'est pas ouf, mais celles du commerce sont ultra processed. Ah ouais non non, moi c'est un petit pizzaiolo à côté de chez moi, hein. C'est pas de la pizza, c'est pas de la pizza Indus quoi. Et donc oui, je peux pas faire un câlin. Bah, déjà je peux pas faire un câlin à Rabia parce qu'elle est montée là-haut déjà. Donc déjà pour le câlin c'est meurt. Et puis en plus, Rabia, vous avez pas compris encore que Rabia c'était pas un chat câlin. Oh là là, mais j'en peux plus de. Franchement, j'en peux plus de. Comment on les bute? Comment on les bute? J'en peux plus. Comment on les scanne déjà? Putain, mais regardez ça! Un système de contamination par virus. La cible dans son bouclier de protection, ses capacités à se téléporter, le protège des attaques. Putain, on peut pas le buter quoi. C'est inferno hein. Ouais, c'est ça, vas-y. Ah non mais tu m'énerves pas. Ah oui, je suis pas vénère. Comment je fais là? Ah là c'est Keblo. Oh là là, c'est chiant, je vous jure c'est chiant. Un truc, non, c'est pas un rail, ça. Il y a une porte en face. Ah, je peux y aller, ouais, ok. Aïe, j'ai. Oh là 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 là, c'est pas passé loin. Hein. Je vais où là? Ah, mais non, mais ça, on s'en fout. Ah, il y a une petite pièce là. Those number up. Hein? Les pizzas qui s'appellent YOLO. Pizza YOLO. Les coiffeurs affectifs et R, ouais. Ça doit être ça. J'avoue, les salons de coiffure, jeu de mots, on en parle pas assez de ce fléau. Ah si, si, si. Oh non, mais il y a l'autre aussi. J'en peux plus, j'en ai marre. J'en ai marre de jeu, j'en ai marre, j'en ai plein de fion.
Oh là là. Merci hein. Passionnant ce mob, mais tous les mobs hein. Tous. Va falloir que j'aille regarder un let's play pour comprendre comment ça marche ça. C'est passé comme après Metroid Prime 1, ils ont viré tout le monde sauf le concierge. Va falloir que j'aille voir un let's play. Pour voir comment ces portes merdiques là, comment ça marche. Parce qu'on pige rien. Aligne en tirant. Non. Non. Qui c'est ? Non mais aligne la clé avec le cadenas. Là comme ça. Ah non. Tu vois, clé cadenas, marche pas. Attendez, je relis. Analyse de l'objet terminé. Cette porte à écho utilise un système de sécurité sonique. Mécanisme de détection sonique nécessaire pour activer le système. Ça, je l'ai. Tirez sur la porte à écho avec un appareil sonique pour entendre la combinaison des serrures soniques. Alors, moi, je tire dessus, il se passe rien. Déverrouillez les serrures selon cette séquence. Alors, moi, j'ai le truc sonique. Ils disent de tirer dessus, sur la porte. Sur la porte. Pour avoir la séquence. Voilà. Voilà. Et quand on scanne les clés. C'est un système de rayon clé écho, mécanisme de détection sonique nécessaire pour activer le système. Tirez un rayon sonique sur le système de rayon clé écho pour l'activer. Il émettra alors une onde sonore focalisée vers une porte à écho. Tire chargé dans l'axe de la porte. C'est exactement ce que je fais. Tac. Tire chargé. L'axe de la porte. J'ai rien compris. Bah je ne pige pas non plus. Hein. Je ne pige pas non plus. Tu tires sur une clé. Non mais j'ai tiré sur la porte 12 fois. 12 fois. Regarde. Voilà. 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 Est-ce que vous entendez quelque chose? Est-ce que vous entendez une séquence? J'ai tiré sur les cadenas. En chargé, en pas chargé. Voilà. Vous voyez, regardez, sur le logo. Je peux pas faire mieux, je suis à côté. Je tire dessus. Est-ce qu'il y a le rayon? Bah le rayon écho, j'ai que lui en fait.
Quand je suis en mode écho, j'ai que le rayon écho. Donc j'ai pas le choix. YouTube. Echo the Dolphin. Non, Echo Doors. Metroid. Attends. Je suis quand même pas le seul con qui galère là-dessus. Echo Gates. Ok, donc là le mec il récupère le truc. Puis le machin. Ah! Attendez. Attends, apparemment c'est de la merde, du coup faut pas spam, sinon ça casse tout. Il te manque un rayon, non? Bah non. Ah non, j'ai les armes quoi. Attendez, là, j'ai une vidéo YouTube là. Ah, attendez. Lui, il entend un pattern. Pourquoi? Attendez, le mec il galère autant que moi. Il te manque une arme. Comment ça il me manque une arme? Comment ça il me manque une arme? Mais attends, il me manque pas d'arme quoi, j'ai... Regarde. Là. Là tout est blindé. J'ai paf paf paf. Echo, j'ai le mode normal, j'ai le mode... J'ai le mode scan, j'ai le mode pouette. Et ici, effectivement, il manque un truc, mais de toute façon, quand je suis en mode écho, je peux rien faire d'autre. Regarde, en mode écho. Hop. Toi, si je change. Non. 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 Me dites pas qu'il y a un truc. Non. Non. Me dites pas qu'il y a un truc là-dessus. Du coup, il te manque une arme. Attends, je vais regarder si lui, il y arrive. Ah, le mec, il galère tellement autant que moi. Ah c'est marrant, je suis en train de regarder un playthrough d'un mec, il bloque exactement sur les mêmes choses hein. Ah c'est marrant. C'est marrant, peut-être que le jeu est très bien fait. Et que tout le monde galère sur les mêmes merdes. Peut-être. Eh mais là l'arme qu'il me faut c'est là où je dois aller. C'est là. Sauf que là je peux pas y aller. À moins que j'active le portail, mais je sais pas comment activer le portail. Alors. Voici. On va essayer d'y aller. Hop. Ah! Ça, j'avais pas vu.
Oh les bats. Oh les gros bats. Bon. Ah, ça me saoule pas, promis, ça me saoule pas, je vous jure, je vous jure. Non, je vous jure, c'est bien. Quadratix, mais je sais pas moi comment ils s'appellent les boss là. Oh, mais ils m'énervent, je vous jure, ils m'énervent. Non, j'en peux plus, j'en peux plus, crevez! Putain, mais c'est pas possible, c'est ces ennemis de merde là! Oh, je vous jure, c'est de la merde ceux-là, mais. La chierie quoi! Oh! Ils se sont dit, et si on faisait des ennemis invincibles? Ça serait pas une bonne idée? Des ennemis qu'on peut pas buter? Et qui vous harassent tout le temps? Ça serait vachement bien! Je vais crever, je vais crever! Putain! À cause des ennemis de merde quoi! Où ah, faut que je me retape toute. Oh putain. Oh, faut que je me retape l'ennemi de... le boss à la con. Non. Non! Putain, je sais même plus où j'étais, hein. Attendez, je suis passé là? Putain, recherche principale, si. Bref, fallait que j'aille en haut. Oh, oh, putain, faut que je me retape le boss à de merde. Tout ça à cause des ennemis de chiasse là qu'on peut pas buter quoi. Attends, il y a bien un truc pour les buter. Attends, si je fais ça. Putain, on peut les tuer avec une power, bomb. Ta gueule, casse-toi. J'en veux plus de vous. Oh là là, faut que je me retape le boss merdique. Putain, les sauvegardes en jeu, c'est l'enfer. Hein. Fatigué alors. Non, casse-toi. J'en ai rien à foutre, Allez. Merci. Au bout de la 15e fois. Ils ont mis un peu de rouge et de bleu avec leur gris. Ouais, ça y est, là je commence à péter un plomb là. Ça y est. Non mais les sauvegardes à la jeu de chiasse quoi. On est obligé de tout refaire 12 fois parce que les sauvegardes sont merdiques quoi. Plein le cul. Hein. Ah regardez, le jeu est super. Ouais, il est super merdique quoi.
Pas de sauvegarde auto. Des boss à la con. Des ennemis de merde qu'on peut pas buter. Ah non, vraiment, je suis ravi, hein. Ah bah, ouais, bah je vois plus rien. Et là, faut que je me retape le boss de chi, quoi. J'ai pas envie. Bonjour, j'ai pas envie. Une pause, ça a rien changé. Le jeu est tout. Est-ce que le jeu va devenir meilleur si je fais une pause? Putain. C'était déjà pas drôle la première fois. Faut que je me retape tout. Ah oui, c'est au millimètre, hein. C'est au millimètre, hein. Déconnez pas, hein. Le jeu est excellent, pourquoi on fait pas un hein. Pense à l'antifac, quoi. Le jeu est excellent, c'est le streamer qui pose souci. Ouais, j'ai pas l'impression, hein. Plus sérieusement, Metroid Prime 2, c'est le moins aimé de la triche. Oh, sans déconner. Le studio voulait un jeu plus sombre, technique et difficile, au point que certains membres de l'équipe de dev ne sont pas capables de passer certains boss, quoi. Non mais, ouais, mais... À un moment, non mais à la limite qu'un jeu soit dur. Je pense sur la chaîne et je pense tout seul avoir fait des jeux durs, des jeux durs. Mais alors des jeux durs à la limite qui sont fun, vous voyez, durs, ok. Par exemple Céleste dans une certaine mesure, Céleste est dur, mais Céleste est fun. Céleste à jouer, c'est cool. Là, franchement, il y a des passages qui sont durs et ils sont pas fun à jouer, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'en plus d'être dur, c'est pas fun. Et comme disait une certaine philosophe... Regardez ça. Là, je suis obligé de me prendre la max, là. Comme disait une certaine philosophe, moi, je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Et là, j'ai l'impression de souffrir, quoi. Antifac, venez poser vos questions, on verra bien la gueule des réponses sur beaucoup de... Hein, titre... Quoi ? Je voudrais... Oh là là, ça va Number 80 ce soir ou... Parce qu'une phrase sur deux, Enfin, ou alors c'est moi qui est... Ou alors c'est moi qui est complètement débile. Qui est complètement con. Ou alors, je comprends pas une phrase sur deux que tu dis. Je préfère 150 fois Metroid Prime 2 à Céleste, tous les jours. Question de sensibilité. Ouais ! Mais du coup, ouais, non, je me marre pas. Metroid Prime, autant le 1. Le 1, j'ai bien aimé. Regarde ça! Regarde ça! Le truc, il reste 2 millisecondes à l'écran. Et voilà, et puis on piche pas. Je piche pas! Ça part pas tout droit, en fait. Mais regardez ça! Ou alors je suis vraiment pas doué. Oh merde. Voilà, ça c'est la max. Putain mais c'était dessus. Ah là évidemment. Là, bah voilà, bah non mais je demande pas, ouais bah oui. Allez c'est bon.
C'est bon, hein. Non, c'est le titre du stream. Soir sobre en plus. Bah oui, mais écoute, je pige pas ce que... Je pige pas de quoi tu parles. Là, ce soir, un truc sur deux, je pige pas de quoi tu parles. On arrive où là? Je sais plus. Allez, la salle nulle. Chaton puni? Comment ça, chaton puni? Alors, j'ai fait Crash Bandicoot de 96. J'ai fait Crash Bandicoot de 96 en entier, à 100%. Et honnêtement, il y a des passages un peu relous, mais globalement, je me suis amusé. Et là, mis à part le combat contre Samus, là, voilà, j'ai l'impression de revivre les pires heures de ma vie. Enfermé dans la salle de bain, et s'il prend à tous les câbles là, même se brancher derrière le PC, il commençait à s'attaquer à mon gros câble de micro. Et le tout petit de la fille. Oulala. Ah oui, celui de la fibre, oui, ça pue. Ah donc maintenant que je sais que Power Bomb égale cassage de cul de ses ennemis de merde, j'arrive là. Voilà. Et toi? Toi tu meurs. Et ton copain il est où? Il est où ton copain? Il est où ton copain? Montre-moi ton copain. Oh, regarde. Hop. Voilà. Et bah une bonne purge de dépurger. Hein. Ouh. Ah regardez. Ah, qu'est-ce qu'on est mieux? Oh, qu'est-ce qu'on est mieux d'un coup? Regardez, c'est calme. Il n'y a pas d'ennemis qui nous... qui nous bolosse toutes les 3 secondes. Et ça, le jeu, il nous l'explique pas, par contre. Le jeu, il nous dit pas. Peut-être qu'une power bomb ferait l'affaire sur ses ennemis de merde. Non. Le jeu, il nous dit, dès le départ, ils sont insensibles aux dégâts. Et du coup, là, maintenant, je peux y aller tranquillou là-dessus. Regardez si c'est pas merveilleux. Limite on s'amuse. Où j'aille où? Non, ça y est, je m'amuse plus. Faut que j'aille là, en dessous? Ah ouais. Oh là là. Chaton, on n'a qu'à pas soutenir Tony Hub. Tony Hub de soutenir le chat. Ah quoi, j'ai un gros... Encore une phrase que j'ai pas compris. Les propriétaires de chatons ont les meilleurs câbles management. Ah bah là, c'est clair que le... Mais en même temps, Rabia est pas une bouffeuse de câbles. J'ai de la chance là-dessus. Rabia mange pas les câbles. La power bomb, c'est la vie en même temps, c'est vrai que ça tue tout. Effectivement, c'est vrai que la power bomb est quand même un item. C'est bon. C'est bon, ça m'a pas éjecté. J'avais peur que ça m'éjecte. Hein. Regardez, faut connaître... Faut quand même connaître le timing de la power bomb parfaitement, quoi. Quoi? Faut que j'aille par où? Allô? Faut que j'aille par la droite ou pas?
C'est ultra désagréable. Bah écoute, si c'est si c'est au moins 50% aussi désagréable que le fait de continuer le chemin et de se péter la gueule parce que le jeu a décidé que c'était comme ça, écoute, ça me va. Non mais dans quel jeu tu suis le chemin normal, tu te pètes la gueule, sans déconner. Citez-moi un jeu comme ça. Mis à part Metroid Prime 2, évidemment. Il y en a zéro, quoi. Je continue le chemin, je tombe. Et en plus, c'est pour ça, quoi. Les chats et l'écran tactile de l'ordi, un plaisir. Ah oui, ça, par contre, ça doit être ouf, ouais. Vous pouvez me dire quand il s'est calmé que je remette le son? Non, lui dites pas. Chut. 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 3D World avec moi. Non, 3D World avec toi, c'était. C'était fun. 3D World avec toi, c'était rigolo. Et du coup, c'est même pas pour aller. Putain, je piche rien. Putain, je piche rien, quoi. C'était vraiment pour un bonus. Comment je vais derrière, là? Attendez, j'arrive d'ici. Là, il faudrait que j'aille... Attendez, me dites pas que c'est... Faut activer le truc là. Bon, ça c'est une entrée relative au banc, au chozo machin là. Enfin, les nouveaux chozo là. Donc je suis là. Là il y a le machin derrière. Il est derrière. On le voit, il est derrière. On est beaucoup tombé du chemin du jeu sans forcer. Ah oui. Non mais la mécanique du personnage sur un rail qui descend au bon moment, sinon il tombe, on perd une vie, c'est classique. Comment j'y vais? Je sais pas. Là, il y a l'autre porte, mais on peut rien faire. Là, il y a le truc, mais on est bloqué. Et là, le jeu me dit d'aller là. Parce que j'ai un truc à récupérer, donc c'est a priori, si le jeu me dit d'aller là, c'est que je peux y aller en fait. J'ai la possibilité d'y aller. Ou alors faut que je prenne le portail qui est là, et que j'avance. Non, je t'ai bloqué tout à l'heure. J'étais bloqué. Ah, je déconne pas, j'étais bloqué tout à l'heure. Hein. Sinon là voilà, je pourrais arriver jusque là avec le... Dans le monde sombre. Voilà, il y a un truc que j'ai... Mais pourquoi il y a un portail ici qu'on pourrait pas prendre? Comment on y va? Comment on y va? En ouvrant la porte là, hein.
Mais j'ai pas trop dit. Je vais retourner à côté. Ça coûtera un peu plus cher, mais je pense en m'arrêter vers un BenQ W5700. Après, ouais. Pourquoi vidéo proche plutôt qu'une bonne télé en fait? Je peux pas croire que ce soit le même level designer de Prime 1 qui soit responsable de ça. Peut-être hein. Écoute, c'est d'un coup. Bah la taille de l'image. La taille de l'image n'est pas la même. Ah, ça dépend de la taille que vous prenez quoi. Après dans un appart, est-ce que t'as le recul nécessaire à avoir une image qui est énorme quoi? C'est la question quoi. TV 150 pouces c'est donné et ça pèse 2,1 tonnes. Un sacré gain de place dans le salon, le proche étant au plafond. Ouais. Oh, ok, non mais c'était une... Enfin, c'était pas un reproche, hein, c'était une vraie question en fait. C'était une vraie question. Ah, je peux pas y aller. Hein. Y a un truc radar machin là. Y a un truc radar machin. Avec courte focale pour les apparts. Oui, j'ai une pièce longue. Non mais la courte focale, on est d'accord. Mais derrière, si t'as un mur qui est tout petit... Enfin, toi, si t'as une pièce... Si t'as une pièce où t'as 4 mètres... Enfin, ta pièce, ça fait 4 mètres de profond. Derrière, si t'as un truc gigantesque, mais que, un, tu peux pas mettre de mobilier, parce que finalement, il te faut un mur blanc pour pouvoir projeter. Et que derrière, t'es comme au ciné quand t'es sur les places de devant. Tu vois, c'est ma question, c'est là quoi. Faut pas habiter dans un chiot, ça c'est sûr. Et voilà, on est d'accord. Faut au moins que t'aies une pièce qui soit grande quoi pour le faire quoi. Écran qui descend du plafond devant une bibliothèque. Ah ouais, donc faut, ah ouais, tu projettes pas sur un mur quoi, tu projettes en plus sur, sur un écran quoi. C'est prévu pour le home cinéma, donc oui, c'est pas un truc d'étudiant dans Paris. C'est pas un truc de personne qui n'a pas 4 milliards. Et j'espère que... Ouais. Et en fait là je me retrouve comme un con. Parce que là j'aimerais bien arrêter. Il faut que j'aille sauvegarder en fait. Où est-ce qu'il y a une sauvegarde? Et en fait il y a des sauvegardes nulle part. Super. Si en face. En face là, il va y avoir une sauvegarde. Ah en plus ouais j'ai perdu. Oui. Je suis même pas allé re-récupérer mon truc d'énergie là. Ah bah oui. Alors actuellement ma pièce de projection doit faire 16 mètres carrés. J'ai un écran de 3,20 m de largeur. Hein. Je parle pas de la diagonale. Hein. Ça rend bien. Par contre, tu ne projettes pas ça sur ta peinture dégueulasse. Tu peux lancer ça sur un écran polarisé. Ok, bah je vais aller sauvegarder et puis on va s'arrêter là parce que là, franchement, j'en ai plein le cul. ça commençait bien, la session d'aujourd'hui commençait plutôt pas mal. J'étais assez content. Et finalement, là, sur la fin, c'est quand même devenu de la merde. Hein. Là on a toujours le truc là où on peut pas, pas l'activer là. Une sauvegarde, par pitié une sauvegarde. Ah oui il y en a dans la salle en dessous, c'est vrai. Ah c'est bon, il y en a une sauvegarde dans la salle en face là. Oui. Ah oui oui. I remember. Où que c'est qu'il y a des sauvegardes? Là-bas. C'est là-bas.
Regardez ça. Hop. Et derrière cette porte qui ne s'ouvre pas, une sauvegarde. Du coup, on n'a pas les réponses à nos questions. Hein ? Alors, si c'est des questions que tu as posées, je les ai probablement pas comprises. Hop, ça y est, c'est sauvegardé. Bisous YouTube. Bon, la prochaine fois, je pense que la prochaine fois qu'on jouera, ça sera sûrement la fin, j'espère. Et on pourra commencer à des bons jeux. Bah alors, par contre, je ferai pas Metroid Prime 3 tout de suite. Hein. J'ai trois jeux que j'ai envie de faire. Il y a Control, Outer Wilds et Horizon Zero Dawn. Donc ça sera l'un de ceux-là, avant d'embrayer sur Metroid Prime 3, qui sera, je l'espère, bien meilleur. Des bisous YouTube.